Tout le monde, c'est The Batman LOL. Aujourd'hui, petit urbex d'une maison abandonnée de Sablé sur Sarthe. Donc la maison, elle est bien conservée. Hein, sauf qu'il y a eu un peu de casseur. Hein. Donc là, vous voyez que le mur est en train de s'effondrer. Impressionnant ce qu'il y a par terre. Ouais, ici, je pense que ça devait être la salle de bain parce qu'il y a les toilettes. On va aller voir les toilettes. Ouais, il y a des feuilles. Il y a des feuilles. Ah, je vous assure, il y a des feuilles. Mais il y avait des tags ici. Bon, je n'ai jamais mis les pieds ici, mais il y avait des tags. Donc il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées. Donc là, c'est une partie. Voilà. Donc là, je pense que ça devait être la porte d'entrée. Et là, c'est tout ce qui est système électronique qui s'est effondré. Tu montes par là-haut. Ok. Aïe. Tu fais attention. Une cave. Ouais, je vais faire. Y aller. Ouais. Faire gaffe. Fais attention au câble. Ouais. On va y aller. On va faire attention. Donc là, on a une première chambre, je pense. Là. Le but, c'est d'éviter de passer à travers le plancher. Ça sera super. Waouh. Ah ouais. Oh, regardez. Il y a un peu de cuvette de toilette. Donc on a Sablé sur Sarthe, les gars. Oh, il y a du Coca-Cola. Du Coca-Cola. Une poutre. Oh, une prise électronique. Allez, c'est bien. Ouais. Là, par contre, on va pas y aller. Déjà, regardez pourquoi. Il y a la porte qui est tombée par terre. Donc, je sais pas. Ouais, ça devait être impressionnant à l'époque. C'est dommage que le lieu il est un petit peu bien conservé. Mais bon. Donc là, je pense que ça devait être une petite chambre. Oh. C'est bon. Et là, je pense que ça devait être un rideau qui est malheureusement défoncé. Hein. Puis on va aller voir le grenier. On va faire gaffe. Ah, le symbole pour faire venir les esprits. Et donc là, je pense que ça devrait être la salle de bain. Ouais, parce que là ici il y a la douche. C'est la douche et puis là t'as l'eau. Et puis là t'as les. T'as le truc à l'ancienne. Genre fallait tourner, je pense. Donc on est au bord d'une route, bien évidemment, donc désolé si vous entendez des bruits de voiture. Et là, regardez, il y a le lampadaire qui est détruit. Et en plus, la fenêtre, c'est pas un vitrage, c'est double vitrage. Donc ça, c'est pratique. Donc on va aller voir le grenier. Puis, ah ouais, ça, cette porte-là, c'est glauque. On a intérêt de faire hyper gaffe parce que j'ai pas envie de croiser. SDF agressif. Puis à éviter de passer sur le plancher. Ah ouais. Oh punaise. Oh punaise. Vous vous rendez pas compte en vidéo, mais le lieu est assez bien pété. Là, je pense que ça devait être une cheminée. Genre cheminée pour. Et là, je pense que c'était pour sécher son linge.
son linge avec la température du cheminée. Il y a du foin, il y a des vêtements, des restes de vêtements. Ouais. Ah, ça je pense que ça devait être pour la cuisine. Alors il y a aussi d'autres portes, donc on va redescendre. Donc on va faire gaffe. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît, les petits urbex. Donc la porte, elle est glauque avec ce petit symbole. Donc là, on va éviter de passer par le plancher parce qu'il y a des... Je vous reprends les gars. Oula. J'ai réussi à descendre. Ah ouais. Ouais. Là ici, je pense que ça devait être sa petite salle d'accueil. Sa petite salle de réception ou sa petite cuisine marrante. Oula. Cette peinture. Je pense qu'il y a des gens qui sont nus et qui ont tenté de rénover. Eh, bizarre. Ils ont récupéré le frigo ou quoi? Eh, il est où le frigo? Ou elle est en travaux là, mais sont... Je sais pas. Eh, il y a une petite cuillette. Toilette. Ah ouais! Regardez, je peux récupérer le volet et puis... Ah, je rigole. Puis il nous manque une pièce qu'on n'a pas fait, que je suis passé. Voilà, je vous reprends. La porte, elle est barricadée. De malade. Il y avait une fenêtre là, je pense. Donc, là, il y a le papier peint. C'était mal bien conservé. Alors, malheureusement, je connais pas le style là. C'est ça. Wesh! Wesh! Je pense que les bonhommes qui sont venus pour casser le lieu. Là, vous n'aurez pas de photo. Eh, la porte est ouverte. Hein. Wow. Ah ouais. Ouais. Oula. Ouais, la maison tombe en ruine. Et là, découverte. Une pièce. Wow. La baignoire. Assez conservée, pas de sang, rien. C'est pratique. Ouais, là je pense que ça devait être douche. Douche avec ça. Putain. Ah, le mur est déglingué. Eh, le meuble, je peux le récupérer pour le mettre dans ma chambre. Je rigole. Ça y est, c'est le bon, les gars. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce lieu d'urbex. Si c'est le cas, n'oublie pas le like, s'il te plaît. C'est la fin de cette vidéo, donc n'oublie pas le like. Et puis, je vous dis ciao, les gars.